Vous êtes tous les bienvenus à la veille de Pessah, à s'associer à cette belle soirée de Pessah. Alors, je voudrais simplement bénir tous ceux qui ont aidé pour les gens qui vont venir manger ici ce soir, le soir de la fête, pendant la fête de Pessah, quand je brûle le protège. Sachez que ici, il y aura beaucoup de gens qui vont venir manger. Il y a des milliers qui vont recevoir des à quoi manger. On ne peut pas recevoir tout le monde ici. Ceux qui sont avec les Dachem diminués du tout, ils vont venir passer la fête de Pessah ici. Que les Echodo Abahim Pido soient avec vous. With the permission of Hashem, may Akadosh Baruch Hu give to all of you bracha v'atzlacha v'gut haguf. Thank you very much for your help that you did, that you helped for those who cannot eat in their home. And they will be here to eat during the holiday of Pesach. May Hashem be with you and God bless you. Amen. And thank you for Rabbi Eliyahu Pinto and Rav Shitrit and all the staff who help. We have to make this event happen for Pesach. God bless you. Thank you. אנחנו נמצאים ברשת ויקטורי מהדרין פה בסניף אשדוד. מכאן, בעזרת השם, כבוד מורנו ורבנו, רב דוד חנניה פינטו שליטה, רוכש במאות אלפי שקלים תווי קנייה, כפי שאתם רואים, לעזרה למשפחות, לאלפי משפחות, לכבוד חג הפסח. כל משפחה ומשפחה תבוא לקחת את תווי קנייה הללו, בכל משפחה תקבל סכומים של מאות שקלים לקנייה ברשת ויקטורי בכל סניפי הארץ. משפחה מגיעה, מקבלת את התווים, מגיעה לאחד מהסניפים של ויקטורי וקונה את המצרכים שהיא רוצה. זה דבר שהוא מאוד מכובד. המשפחה מגיעה, לוקחת את תווי קנייה והולכת לקנות מה שהיא רוצה. זה לא כמו שבאים ונותנים לך קרטון, דברים שאתה רוצה, דברים שאתה לא רוצה. פה אתה מקבל כסף, מזומן, אתה נכנס לרשת ויקטורי, יש כאן את כל מה שצריך, ואדם בוחר את כל המצרכים שהוא צריך לחג הפסח. Comme il est marqué à la fin des temps messianiques, que l'éducation va être très difficile, comme si monter sur une montagne de cristal. C'est la raison pour laquelle vous voyez que l'éducation de nos jours est très très difficile. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi David a eu l'idée très intelligente de prendre les jeunes pendant les vacances et au lieu qu'ils traînent dans les rues, puissent les faire venir étudier la Torah, bien sûr avec un dédommagement pécunier, c'est-à-dire de leur donner de quoi passer leurs vacances avec un petit peu d'argent. Et ils arrivent à avoir des bonnes sommes en fonction de leur étude et en fonction de leur assiduité. Mais en plus de ça, comme vous voyez derrière moi, nous sommes dans un magasin de vêtements où il est vendu ici tous les costumes et tout ce qu'on a besoin. Et Rabbi David leur donne en cadeau à trois
partie dans l'année, c'est-à-dire à Sukkot, à Pessah et au mois de Av, en août, la possibilité de venir ici et de recevoir un costume, une chemise, une ceinture, une cravate, tout ce qu'ils ont besoin pour s'habiller et pour pouvoir avoir l'air d'un homme de Torah de façon bien distincte et de façon honorable. Et ils ont même la possibilité, ces jeunes-là, de, en plus que de recevoir pour eux-mêmes, de donner cette possibilité à leurs frères ou à leurs pères de venir chercher un costume à leur place. C'est eux qui étudient et puis ils ont la possibilité eux aussi de faire du chesed. Donc comme vous voyez, nous sommes dans cette belle chanout. Gzouz, c'est une firme qui est très connue et où ils reçoivent ça, quelque chose d'extraordinaire. En plus de ça, qu'ils aident le monde à pouvoir continuer à subsister grâce à l'étude de la Torah qu'ils ont. Kakadosh Baruch Hu aide Rabbi David ainsi que tous ceux qui l'aident à pouvoir continuer cette œuvre et non pas uniquement donner de l'argent, mais aussi de façon à honorer les gens à leur niveau et à leur grandeur. Hazakim Oberu. Chers amis, je me trouve ici à la yeshiva de Morenu Verabenu David, Rabbi David Chaya Pinto Shlita. Comme vous pouvez le constater, nous faisons ici la distribution de colis de Shabbat. Cette distribution se fait tout au long de l'année, chaque veille de Pessah et chaque veille de fête, à savoir Rosh Hashanah, Pessah. Comme vous le savez, la fête de Pessah est particulièrement coûteuse et les demandes sont très très nombreuses. C'est pour cela que notre maître, Rabbi David Pinto Shlita, fait appel à votre générosité et vous demande de vous associer à lui pour cette très belle mitzvah. Il vous souhaite, par le mérite de ses grands-parents, Rabbi Chaim Pinto Zatzal, que le mérite de ses grands-parents vous protège, vous et votre famille. Je vous souhaite à vous Shabbat Shalom, Pessah Kasher Vesameyach, et Be'ezrat Hashem, on soit tous l'année prochaine en Eretz Israël, avec Mashiach. Des poires. Voilà pour les colis. Potatoes. De l'huile. 7 jours. Des pommes de terre. Le poulet. Avocado. Bananas. Dans chaque colis, je mets les œufs. Tomates. Voilà, des poires. Carrots. I'm happy I was given the opportunity to thank Mosdot Orot Chaim Moshe by Rabbi David Chanina Pinto, the tzaddik that comes here to Ashdod, that every week gives out thousands of families, kol families, other families, food, the people that don't have oil, sugar. There's only some of the things, grape juice, even things that are by us called extra, but just to make it even better, chocolate for the kids to drink, noodles, rice. This is just some of the things besides fruits and vegetables and a lot of things. Besides that, Pesach is coming soon and thousands of families get the nicest way cards to buy in the best stores here in the city. And it's all done the nicest way that people shouldn't feel that they're low or anything like that. And now that, besides that, this year there's something new. The families that can't have a Seder in their own house, that we're making here a Seder for hundreds of people, they can make their Seder nicely, not have in their house, which they can't do. I want to thank them, and may Hashem bless them that many, many more years, Rabbi Dov Chanina Pinto Shlita should be able to continue what he's doing with health and long years. Thank you.